Yo les gars, Sensu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Project Playtime. On va directement lancer une game pour bah, du coup faire le gameplay parce que je vous ai fait une vidéo tutoriel du jeu où je testais le tutoriel, etc. Je vous ai fait une vidéo passe de combat où on découvre. Oula, ok. Le mec a quitté la game. On relance. Donc je vous ai fait une vidéo passe de combat, une vidéo tutoriel. Maintenant, c'est la vidéo gameplay. Et il faut que les gens arrêtent de quitter là. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore quitté le mec? Ah, ok. Oh, ça va être incroyable. Ok, je peux me customiser. Bon, ça, on l'avait déjà vu, la customisation. La customisation, les gars, on l'avait déjà vu. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas changer mes touches. Ok, c'est bon. Je peux pas changer mes touches. Je voulais pas changer mes touches, mais je voulais le son. Le son, il avait l'air un peu fort. Je vais mettre à 10. Attends, je crois que j'ai pas accepté. Appliquer. Ok, 10, ça m'a l'air pas mal. Ok, bref, c'est parti. Trêve de blabla. Alors, on est dans une nouvelle map très stylée. Et donc, c'est parti. Ok, ils sont déjà en train de faire ça. Je vais aller avec là-bas. Donc là, les gars, en gros, je suis un survivant. Et donc, je dois faire les défis. Hop. Donc là, on fait des défis pour pouvoir créer un jouet. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Non, j'ai fail. Le début de la game, il était un peu fouillis. J'ai pas beaucoup parlé. Il s'est passé un peu n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Oh putain, il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer. Il y avait Mommy Long Leg. Cours, 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 cours. Vous avez vu ou pas, les gars? Il y avait Mommy Long Leg. Mon pote, il s'est fait... Elle me suit. Ça. Oh putain. Elle est où? Vous avez vu ou pas? Elle s'est fait bouffer, les gars. Non, mon pote il s'est fait bouffer. Attendez. Je crois que là elle sait où je suis, c'est pour ça que je me cache. Et donc vous voyez, il faut collecter des jouets. Et pour créer un jouet. Ok, je pense que je peux sortir. J'espère que je vais pas me prendre un screamer. Le jouet, faut le poser où? Là-bas. Ok. Quand on a le jeu, on est assez lent. Je peux le poser où? Attendez, j'espère que je vais pas me faire bouffer la nouille. Faut que je le pose où le jouet? Là-bas. Je vais suivre le mec. Je connais pas encore, c'est ma première game en tant que survivant en plus. Donc on peut le poser là le jouet. La map est assez grande. Oh! Il s'est bouffé! Il a mis la ligue! Ah! Wesh! Non, ça a lag. J'ai eu un coup de lag! Je vais me faire graille! Je vais me faire graille! Cours, cours, cours! Ok, je suis un pro. Oh les gars! J'ai failli me faire graille! Oh punaise! Oh la catastrophe. Il y avait Mommy. Donc Mommy en gros. Enfin là du coup c'était Mommy. Mais dans d'autres games ça peut être Boxy Boo ou même Oogie Woogie. Et en gros c'est des joueurs comme nous. Sauf qu'il y a un seul monstre. Et donc ça aurait pu être moi. C'est un peu comme Dead by Daylight. Je pense que vous connaissez. Donc il y a un monstre. Il doit tuer tout le monde. D'ailleurs faut que je revive des gens. On a 3 joueurs en attendant. On est pas mal. Oh! Oh putain là-bas! Y'a Mommy!
J'espère, je vais pas me faire bouffer. Faut que je revive des gens, attendez. Je vais essayer de les revive. C'est chaud quand même. M course. L'assassin. Je vais me faire graille. Ah, elle m'a graille. Non, elle m'a graille. Wesh. Mommy long leg is carrying you. Attends, elle poursuit un mec. Je crois je vais me revive tout seul. Attends, faut que je me cache. Je suis un génie. Non, la chouin, elle m'a trouvé. J'allais me revive tout seul. Tant qu'elle m'a pas mis dans un trou, un trou des morts, je peux me revive. Vous voyez que ça me revive là. Tant qu'elle me met pas dans un trou, c'est bon. Là, elle va me mettre dans un trou là. Ah ouais. Dommage. Ok. Là, je vais devoir attendre qu'il y ait des petits monstres qui sortent. Ce mode de jeu, on le connaît. Il y était déjà dans Populate Time chapitre 1. Non, chapitre 1 ou chapitre 2? Chapitre 2, je crois. Ok. Oh, on est en train de me revive. Ok. Donc, quand t'es mort, faut faire des mini-jeux en bas. Je sais pas si c'est que le même à chaque fois. Dans le tutoriel, c'était lui que j'avais. Ok, donc j'ai été revive. Ok. Donc là-bas, il faut qu'on fasse le puzzle. Hop, il nous reste 10 minutes, on est bien. Je suis désolé les gars, je dis n'importe quoi, je fais que de parler dans tous les sens. C'est pas très pro, mais c'est pas grave. Ok, donc il manque plus que lui et on a réussi. Allez mec, on croit en toi. Ok, nice. Ok, je vais prendre le jouet. Où est-ce qu'elle est la momie? Hop. Donc là on est à 3, on est à 4 parts de jouet. Faut le poser où? Attends, faut que je le pose où? Là-bas? Je connais pas bien encore la map. Oh, oh putain, elle va grailler un mec. Non. Wesh! Ah! Attends. Non! Vite, vite, vite! Faut que je pose le jouet! Ok, go! Je me taille! Allez, je me taille! Vite! J'espère que je peux la semer! Imaginez, je la sème! Si je la sème, je suis un pro player. La tête de Wham. Je me suis bloqué. Allez, je peux le faire. Non. Oh, j'y étais presque. C'est pas grave. On est à 5 jouets sur 6. C'est pas grave. En vrai, j'ai géré quand même. J'ai réussi à mettre mon jouet et je l'ai en même temps semé un petit peu. Je lui ai fait perdre du temps. Je crois qu'il court plus vite que nous quand même. Attends, je crois que si eux ils me graillent, je meurs. Oh, quelqu'un m'a revive. Ok, nice, merci. Ok, c'est lui qui m'a revive. Merci mec, t'es un bon. Ça c'est la roue des emotes, mais y a pas... J'ai pas d'emoticône, ok. Wesh, salope. Pourquoi moi frère? C'est toujours moi. Laisse-moi tranquille. Désolé pour la petite insulte. Frère, c'est toujours moi qui graille. Elle aime trop me grailler les fesses. Elle galère. Pendant que y a machin, on est en train de revive les autres. Ok, donc là... Ah, il faut qu'on pull down le truc, ok. Ok, donc vous voyez que là, on a, les gars, on a réussi à avoir tous les jouets. Donc il y a 6 jouets, il faut faire des petits défis. En attendant, les défis c'est les mêmes, mais je pense que ça changera dans le futur.
Et donc, hop, je pense qu'il faut descendre par là. Je sais pas, il y a combien de maps non plus. Oh merde! La chouin. Pourquoi il me suit, la chouin? Mais pourquoi moi? Frère, tout le temps moi, tout le temps moi. Gros, il y en a marre. Toujours elle me tue. Je vais essayer de me cacher pour pas qu'elle me voie. Donc là les gars, quand vous avez récupéré tous les jouets, et ben vous devez baisser la machine comme vous la voyez pour pouvoir créer le jouet. Donc là la machine vous voyez qu'elle est en train de se baisser parce qu'il y a un mec qui la baisse, même s'il va se faire graille. Et après il faudra récupérer le jouet qu'on a créé et le mettre dans un train. Allez, allez, pitié que ça me revive. Allez, pitié que ça me revive, pitié que ça me revive. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ok, le jouet il est en train de se créer. Ok, maintenant faut aller dans le train maintenant. Ok, on a réussi à créer le jouet. Maintenant on va dans le train. On sait même pas où faut aller. Ok, je crois que c'est là. Ok, je crois qu'on a réussi. Bon après là le monstre il était pas très fort, on va pas se mentir. Ok, le train avance. On a perdu personne. J'espère que tout le monde est monté dans le train. Et je crois qu'on va gagner là. Ma première game, premier top hein. D'ailleurs j'ai acheté le pass de combat, comme je vous l'avais promis. Let's go! Ok, donc Summer. On a gagné quoi? Alors, 40 tickets pour déposer des joueurs. 10 tickets. Ah bah ça s'est barré. Ok, donc on a gagné 90 tickets. Apparemment, il va falloir beaucoup jouer pour le pass de combat, frérot. Il va falloir beaucoup jouer. J'ai gagné que 12 machins. Alors, du coup, si on va dans Custom, je peux acheter normalement des atouts. Ah oui, c'est 600 les atouts, c'est cher. Mais au moins c'est avec ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Allez, ciao.